Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, temps de pluie dans la région marseillaise, donc très content que nous ayons un peu de flotte dans la région, ça fait du bien. Croyez-moi, les amis, ça fait du bien, ça fait du bien dans le sud. Donc, aujourd'hui, une petite vidéo sur un combat des chefs, et oui, les amis, un combat des chefs. Et comme vous le voyez sur la vidéo, il s'agit de deux grands chefs indiscutables, indiscutables. La marque Opinel et la marque Victorinox sur le ring. Hein? Voilà, indiscutables. Les deux seuls maîtres en matière de couteau, couteau suisse et couteau français. Voilà, les amis. Alors, quelques petits chiffres. Alors, ce sont des chiffres que j'ai pu observé dans les deux sociétés, la société Opinel et la société Victorinox. Ces chiffres, bien sûr, ont tendance à évoluer. Moi, je les ai pris donc sur des années voilà, antérieures. Hein. Donc, depuis, ça a évolué. Alors, quelques chiffres pour ces deux grands chefs. La marque Opinel, une marque réputée. Une réputation qui n'est plus à faire. Les chiffres sont de 5,5 millions de couteaux par an. 45% de la production est réalisée à l'export. Je passe sur le CAC 40 de 2021. Bon, on n'est pas trop intéressé là-dessus. Nous passons à 70 pays à l'export, d'où nous rencontrons cette marque, la marque Opinel. Bien entendu, Opinel a une boutique en Haute-Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, et attelée à la boutique, nous avons un musée. Donc, si vous avez l'occasion d'aller visiter ce musée, allez-y, ça vaut le coup. Voilà. Donc, et je rajouterai aussi que la marque Opinel a une filiale en Amérique, et oui, aux USA. Voilà pour notre grand chef de la marque Opinel. Nous passons à un deuxième chef qui est redoutable également. Sans faire de parti pris, bien sûr, les amis. Hein. On ne fait pas de parti pris. Alors, la marque Victorinox, il y a eu par exemple 26 millions de couteaux par an qui ont été fabriqués. Plus de 500 000 points de vente dans le monde entier, ce qui n'est point négligeable. Je passe sur, bien sûr, les couteaux de cuisine de la marque Victorinox, également les produits autres que les couteaux, hein. Voilà, les montres, les parfums, les vêtements, enfin voilà. Je passe sur là-dessus, on s'attelle uniquement sur les couteaux. Donc le marché, eh bien, le marché se porte bien, hein, pour la marque Victorinox, 62% pour l'Europe, 27%, bien sûr, pour l'Amérique, ça va de soi. 18% pour l'Allemagne. 22% pour nos amis suisses. Coucou Vincent de Nature Technique, en passant. Et 10% Asie-Océanie. Et 1% en Afrique. Donc vous voyez que la marque Victorinox aussi, également, n'a pas à rougir pour ce combat. Voilà. Donc, les amis, quelques chiffres, bien entendu, je vous le répète, hein, des chiffres qui ont été pris sur les deux sociétés, hein, sur Internet, et qui progressent d'année en année. Je ne vous vanterai pas, pardon, les mérites de ces deux grands chefs, d'accord? Qu'est la marque Opinel et la marque Victorinox, parce que vous les connaissez tous.
Vous savez quelles sont leurs fonctions et vous savez qu'ils sont redoutables. Donc, je ne vais pas spéculer sur ces deux grands chefs. Mais néanmoins, j'ai aimé faire cette petite vidéo avec vous pour justement vous donner quelques chiffres sur ces couteaux qui apparemment se portent très bien. Même en période de Covid, les couteaux se sont bien vendus. Voilà, sur cette petite vidéo, je vous remercie de votre visionnage, je vous remercie pour votre écoute. Si vous désirez faire quelques commentaires, eh bien, pourquoi pas. Si vous avez des chiffres qui sont un peu plus évolués, eh bien, n'hésitez pas à les mettre, hein, parce que c'est une vidéo de partage, donc voilà. Et donc, je tiens à vous remercier. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.